partout. Par là, Marine. Bébé, Marine, qu'est-ce que tu foutais? Ça fait déjà une heure que je suis là avec Anaïs. Ah, désolée, fallait que je fasse la vaisselle. Vous avez pas trouvé plus paumé comme endroit, là? Tu me passes les chips, s'il te plaît? C'est quoi ces chips de merde, là? Vous avez qu'à bouger pour en acheter, vous. En parlant d'achat, il y avait les courses pour ce week-end à faire. Carolina, je t'en occupe. Ah, mais non. Je suis pas là, ce week-end. Ouais, encore? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh putain, je crois qu'il y a eu quelqu'un là-haut. Mais t'as vu ce qui est tombé? Je crois que c'était un corps. On va rien voir. On va voir, oui. Ok, donc demain on revient et après petit déj chez moi. Ok. Ok. Okay. De presse. Antoine Dupont, la grosse Gironde. Merde, oui. Ça veut dire que c'était bien corps. C'est bizarre, hein? Faut pas qu'on nous voie d'ici, faudrait y aller. Ouais. Prends-le. Toujours pas de nouvelles des garçons. On pourrait commencer sans eux. Ben, en attendant, on a qu'à chercher le nom du journaliste sur internet. Regardez, il habite pas loin, on pourrait aller voir. Mais comment tu es au courant dans la maison d'un mort? Regardez, c'est quoi ça? C'est le pont d'ici. C'est comme si il enquêtait sur l'histoire du pont. Vous saviez que le pont s'était effondré en 1931 et qu'il y avait 16 morts? La 12 et la 15. Mais pourquoi il enquêterait sur une histoire si vieille? Attendez, attendez. Je pense qu'il avait découvert quelque chose. Pour lui, l'effondrement du pont, c'était pas un hasard. Il avait même des pistes sur l'auteur du complot, apparemment. C'est peut-être pour ça qu'il a fini à l'eau. Oui, enfin qu'on l'a jeté, tu veux dire. Faut absolument qu'on aille parler à la police. Mais bien sûr, on n'a qu'à leur dire qu'on fumait des joints aussi. Non, mais je pense qu'il faut plutôt avoir plus d'infos. On n'a qu'à aller à la bibliothèque. Ouais. Ouais. Attendez. Ma mère vient de m'envoyer un message, elle doit rentrer, allez-y sans moi. Ah ben, je te raccompagne. Bon ben, à plus. Ouais. Ouais.
Bonjour. Nous sommes à la recherche d'informations sur la catastrophe du pont de Saint-Denis-de-Pile pour un exposé. Est-ce que vous auriez ça, s'il vous plaît? Alors, je vais regarder ce que nous avons. Alors, on a un film d'archiva, si ça vous intéresse. Ok, je vais vous chercher ça. Merci. Et voilà. Merci. Si vous voulez, vous pouvez la visionner sur place. D'accord, merci. Le terrible accident qui a jeté la consternation dans la jolie commune de Saint-Denis-de-Pile, à 8 km de Libourne, s'est produit pendant qu'on procédait aux essais de résistance d'un pont suspendu. 10 gros camions lourdement chargés de gravier étaient engagés sur le tablier afin d'en éprouver la solidité, lorsque soudain, un câble de suspension se rompit et dans un craquement sinistre, le pont tout entier s'écroula. Une dizaine de victimes prises sous les camions et les matériaux avaient trouvé dans cette catastrophe une mort immédiate. Mais il n'y avait pas un fer chaud parmi les suspects du journaliste? Je crois qu'il y a un fer chaud qui habite pas loin. Oui, c'est pourquoi. Bonjour. Bonjour. On a trouvé un film à la bibliothèque qui parle de la catastrophe du pont. Et sur l'enveloppe, on a trouvé votre nom. Du coup, on se demandait si un journaliste n'était pas venu pour vous poser des questions. Ah non, j'ai vu personne. D'accord. Et à propos du film? Je suis au courant de rien. D'accord. Je suis désolé. Ben, merci quand même. Au revoir. Au revoir. Fallait pas foutre le nez à mes affaires. Ah Marine. Ça va pas, là.